Mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Fly Forever Loving You avec Clément. Donc, on s'est arrêté à la fin du chapitre 5. Et du coup, on commence le chapitre 6. Et on a bientôt fini Fly. Enfin, dans le sens où jusqu'aux épisodes disponibles. Donc voilà. Et je suis toujours malade. Salut Saïwa! À partir de ce chapitre, tu pourras changer ton crush au début de chaque chapitre. Tu pourras également parfois choisir entre plusieurs tenues, certaines fois sans incidence et d'autres fois cela en aura. Par exemple, certaines tenues sont nécessaires pour certaines illustrations. Tu auras une indication au moment de choisir. Mon crush? Bah, toujours Clément, du coup. Clément. Ah, donc cette fois-là, il y a une illustration qui est concernée. Internet, mon ami. Bon, alors le choix de la tenue, je crois, c'est juste pour l'illustration avec Juliette, que j'avais pas eu. Donc, c'est celle-là. Allons-y. Hier, Josh a trouvé un mot dans le sac de Juliette, qui n'a pas voulu me lire, mais qui a l'air de provenir de quelqu'un qui lui en veut. Dans la précipitation, j'ai un peu tout oublié, que ce soit de retourner voir Clément pour son annonce ou quoi que ce soit d'autre. J'ai fait le tour du lycée avec Josh pour retrouver Juliette et lui rendre son sac, mais il avait disparu à notre retour en salle de musique. On s'est dit qu'elle avait dû venir le récupérer et qu'on n'avait pas trop à s'inquiéter, mais je suis prête à mener l'enquête aujourd'hui. Salut Saïwa, alors quoi de neuf? Je suis un peu inquiétable par rapport à hier, mais sinon ça va. Et toi? J'ai parlé avec Béatrice et elle m'a conseillé de ne pas trop insister avec cette histoire. Ah ouais? Pourquoi? Elle m'a dit de lui faire confiance. Quoi que tu fasses, évite de lui poser des questions directes à ce sujet ou d'en parler à qui que ce soit. Selon elle, si c'est quelque chose de vraiment sérieux, Juliette sait qu'il faut qu'elle en parle avec l'administration. D'accord. Et alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Commence par essayer de passer une bonne journée. À plus tard. Rendez-vous sur toi dans 5 minutes. Quoi? Il n'y a pas plus romantique comme, comme demande de premier rendez-vous. Je plaisante. Hey Liz. Toujours dans la même famille. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te rappelles pas avoir quitté le bal avant qu'il ne se finisse hier, Cendrillon? Ah, tu parles de ton annonce. Je suis désolée, j'avais quelque chose à régler. Tu veux en parler? Non, t'inquiète, tout va bien. Je suis pas née de la dernière pluie, tu sais. Je sais quand il y a un problème. Je me suis rappelée de la conversation que Rachel et moi avons entendue sur quelque chose qui serait sur Mélanie ou un truc du genre. J'ai donc décidé de ne rien lui dire avant d'en savoir plus. J'essaierai plus tard de savoir si ça a un lien avec cette histoire. Rien d'important, continue donc. Pas de soucis, Wonder Woman. La prochaine fois que tu dois sauver le monde, appelle-moi. J'essaierai la prochaine fois. Allez, crache le morceau. Ce beau jeune homme qui se tient devant toi est désormais officiellement élève du lycée HB et dans ta classe qui plus est. C'est vrai? Eh ouais. C'est pour ça que tu me vois courir un peu partout au lycée ces derniers temps. Ils t'ont accepté? Aussi tard dans l'année? Je n'arrive quelques semaines après toi, tu me moques du monde. Mon ancien lycée a accepté parce que je déménageais et parce que les programmes étaient les mêmes ici et là-bas. Même programme aussi, et puis comme on n'a pas d'examen de fin d'année en seconde, ils ont accepté sans problème. Ah, c'est super, bienvenue. Merci, me voilà le petit nouveau à présent. C'est pour ça que Rachel ne voulait pas me répondre par SMS quand je lui ai demandé de me dire ce que tu voulais. La prochaine fois que tu veux savoir ce que j'ai à raconter, que j'ai raconté, appelle-moi directement, c'est plus simple. Bon, on va en cours. J'ai pas trop envie d'être en retard dès mon premier jour à un cours. Et regarde son emploi du temps. D'histoire géo. C'est bien moins moderne que mon ancien lycée, mais j'aime bien.
Ah, le tien aussi? Clément, alors tu as annoncé la grande nouvelle à Seiwa? Ça me fait bizarre de te voir ici, mais de me dire que tu viens pour travailler et pas simplement ne rien dire, ne rien faire. Par contre, ça c'est bizarre. Hey, je suis un très bon élève. On verra bien. Bonjour tout le monde. Avant toute chose, on accueille un nouvel élève aujourd'hui. La prof d'histoire géo a présenté Clément, avant de très vite enchaîner sur le programme du jour. Présenter un aspect de la société haïtienne chacun. D'habitude, je vous laisse former les groupes vous-même, mais histoire de faire des groupes équitables, je les ai déjà préparés. Ah non, ça change pas. Je pensais tellement qu'on était avec Todd Crash, mais c'est vrai que ça marcherait pas parce que. Sinon, on rencontrerait pas la sœur d'Evan et. Bah, il y a des crushs qui sont pas dans la même classe, ils sont pas en seconde, enfin, bref. Vous serez. Clément, vous serez avec Nabil et Rachel dans le groupe 1. Mathilde, Émilie et Antoine, vous formez le groupe numéro 2. Gabriel, Lisa et Manon, groupe numéro 3. Groupe 4, Vanny, Evan et Saywa. Elle a fini d'annoncer les groupes, avant d'en envoyer certains en salle informatique et d'autres au CDI pour les recherches. Alors qui va où? Si j'ai bien compris, dans notre groupe, on doit être deux en salle info et une au CDI. Ça ne me dérange pas d'aller au CDI tout seul, c'est un peu mon repère là-bas. Ça me va. D'accord alors. Comment on se retrouve? Et j'aimerais que tu te perdes. Pardon? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas libre d'accès pour les dernières portions. On vient pour travailler sur notre exposé d'histoire géo. Madame le Chevalier a dit que tu étais au courant. Ah ouais, j'avais oublié qu'en plus de mon travail, je devais jouer Thomas Passion Garderie. Super ce job, je suis déjà fan. Tu as à peine 3 ans de plus que nous, j'en suis sûre. Là n'est pas la question. Travailler en science, c'est tout. Bon, la décroma. Oh, je sais même pas lire, j'en ai marre. La démocratie haïtienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est parti. On s'est mis à travailler sur notre exposé. J'aurais pensé que Vanny dormirait puisqu'on est à moitié plongé dans le noir, mais elle avait l'air plutôt dans son élément et elle a pris les choses en main. 5 minutes avant la fin du cours, la prof est venue nous chercher pour retourner en salle de cours. Je vous laisse mettre en commun vos recherches et vous organiser. Vous passerez à l'oral de lundi par groupe et dans l'ordre. Je compte sur vous. Comment on fait ça? Quelqu'un a 1 heure de creux pour qu'on organise l'exposé. On a 2 heures pour manger, non? Oui. Moi, je peux pas. Je suis censée aller ramener un de mes chats chez le veto sur l'heure du midi. Ah zut. Vanny t'a vraiment fait le plus gros du travail. Du coup, Evan et moi, on peut s'en occuper et te tenir informé plus tard ou par Facebook si ça te va. Si ça ne vous dérange pas, moi ça me va. Pas de problème. On fait ça. On fait comment du coup à midi? On va manger à la cantine ou on va au CDI après? Bah, je dois rentrer chez moi comme ma soeur rentre tôt du collège ce midi. Je dois nous faire quelque chose à manger. Tu n'as qu'à me rejoindre une fois avant de manger à la cantine si ça te va. On fait comme ça. Ça a été votre exposé, vous? De la tarte, on a presque fini. On est avec Nabil du CVL. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, toi, ça les voit. Enfin, ça allait très vite. On se retrouve après manger pour finir. CVL? Je t'ai déjà expliqué le conseil de vie lycéenne. On est délégué des élèves, oui, on est délégué des élèves, Evan et moi. Il en fait partie lui aussi. Ah ouais, ça doit pas être toujours fun, tout ça. Ça y est, Wallis. La CPE t'a demandé à son bureau. Ah, si j'ai bien compris, il s'agit d'une surveillante. Sur le moment, j'ai eu peur. 29 692 choses me sont passées par la tête en quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi. Je te rassure, tu n'as rien fait de mal. Elle aimerait juste te parler. Je vais t'y accompagner. Je vérifie juste qu'elle n'est pas occupée. Elle est entrée dans le bureau de la CPE et est ressortie aussitôt. Tu peux entrer. Entendu, mais tu me tiens au courant. Très bien, au revoir. Ah, Astrid, merci de m'avoir ramené Mademoiselle Elise.
Je vous laisse retourner surveiller la cour. Pas de problème. Saïwa, vous vous demandez probablement pourquoi je vous ai convoqué. J'acquiesce. Je vais faire vite, mais pour ne pas vous retenir trop longtemps. Vous m'avez bien aidé la dernière fois au sujet des clubs pour l'année prochaine. Un terminal délégué du CVL, c'est désisté et comme son suppléant n'est plus au lycée, je voulais simplement vous proposer de prendre sa place. Il s'agit de quelques réunions qui auront lieu d'ici la fin de l'année et de quelques événements organisés. Je vous le propose à vous comme je sais que vous connaissez quelques élèves qui en font déjà partie. Qu'est-ce que vous en dites ? Comptez sur moi. Oui, je suis partante, vous pouvez compter sur moi. Très bien, notre prochaine réunion aura lieu lundi, venez me voir avant si vous changez d'avis. Vous me rendez encore une fois un grand service. Je vous libère, à la prochaine. En sortant, je me suis dépêchée de rejoindre Evan, Clément et Rachel avant que ça sonne. Dans la précipitation, j'ai bousculé quelqu'un qui récupérait des affaires dans son casier. Oh zut. Je suis désolée. Aucun problème. Fais attention en courant dans les couloirs. J'ai été témoin de beaucoup de collisions. Je t'assure qu'une porte de casier dans la tête, ça fait mal. Allez, salut. Après ça, ça a sonné et la matinée s'est ensuite terminée. Le midi, j'ai mangé en vitesse. Ah non, je sais plus. Avant de courir chez Evan en suivant les indications qu'il m'envoyait par SMS. Au moment où je suis arrivée devant sa porte, il m'a dit que sa sœur et lui venaient de finir de manger. Hey, je suis Marion. Tu es Saïwa, c'est ça? La ressemblance entre Evan est flagrante. On dirait la même personne. C'est ça, enchantée. T'es vachement plus petite que je l'imaginais. Comment ça? Non, rien, c'est surtout moi qui est grande en fait. T'es au collège, c'est ça? En quelle classe? Troisième. Je me disais aussi que tu fais pas beaucoup plus jeune que nous. Bon, on s'y met? Ok. Bon, voilà ce que j'ai trouvé au CD. Bon courage, les gars. Merci. On a travaillé pendant 3 bons quarts d'heure. Ok. Avant de terminer la mise en commun et les répartitions des tâches. C'est allé assez vite malgré le fait que j'étais assez perdue dans mes pensées à cause du mot retrouvé par Josh. On a bien travaillé? Oui. Vous avez enfin fini? Oui. Ça va, c'est ouais, t'as l'air perplexe. Oui, ça va, j'ai juste plein de trucs en tête. Ça a un rapport avec l'incident d'hier en salle de musique. Rach et Clem m'ont raconté ce qu'ils avaient... ce qu'il savait, mais j'ai pas tout compris. Je sais pas si j'en parle du coup ou pas, parce que ça, cette fois, peut-être qu'on pourra en parler avec Clément, et du coup c'est mieux parce que c'est notre... Non, allez, changer de sujet. Des histoires, rien qui ne vous concerne, qui ne nous concerne personnellement, je t'expliquerai quand j'en saurai plus moi-même. Mais moi, je veux savoir. Tu ne saurais même pas de qui on parle. Bien sûr que si, de toute façon, je le saurai. Après quelques conseils d'Evan comme de Marion, la discussion est vite devenue plus détendue. Sous la demande de Marion, j'ai pris une photo des deux frères et sœurs. Oui, c'est bon là encore. Ah, elle est géniale la photo. Tu me passes ton téléphone que je l'envoie. Il faut absolument que je la poste sur Facebook. Je lui ai passé. Merci. Marion m'a rendu mon téléphone et en voyant l'heure, j'ai réalisé à quel point on était en retard. Evan, on devrait se dépêcher, tu as vu l'heure? Oh oui, effectivement, allons-y vite. Salut Marion. Ah, vous avez de la chance, j'étais sur le point de fermer la grille. Dépêchez-vous les tourtereaux. Je suis dépêchée d'aller en cours. À la fin de la journée, je suis rentrée toute seule, comme Rachel avait encore une heure d'espagnol. Je me suis dirigée vers chez moi. Tu peux prendre une baguette en rentrant? Je suis partie en vitesse aller chercher une baguette à la boulangerie. Près du parc, en revenant, j'ai aperçu une silhouette familière. Juliette! Ouais, voilà, c'est ça que j'ai pas eu dans l'autre partie. Saïwa? J'ai tellement passé la journée à penser à tout et à rien que la fois que je n'ai même pas pensé à ce que je pouvais lui dire. J'ai donc décidé de lui parler le plus naturellement possible. Comment ça va? Ça va, et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'habites pas dans le coin, si?
J'habite pas loin, de l'autre côté du parc, j'étais partie chercher du pain. Ah, d'accord. Après un court silence gêné, je me suis décidée à orienter un peu la discussion vers ce qui m'intéressait. Tu sais, si ça va pas, je suis là, tu peux me parler. Tout va bien, je t'assure, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais ça va. Elle avait l'air d'être sincère et ne pas être étonnée de mon insistance. Quoi qu'il se passe, ça doit être moins sérieux que ce que j'imagine. Pas de souci. Bon, j'y vais. Passe une bonne journée et à la prochaine. Salut Saïwa, à toi aussi. En rentrant, j'ai fait mes devoirs avant d'aider ma mère à faire à manger. Après manger, je me suis allongée dans mon lit et j'ai raconté mon interaction avec Juliette à Josh par SMS. Tu vois, il ne fallait pas s'inquiéter. Allez, essaye de bien dormir cette fois. Saïwa! Saïwa! Salut maman! Ah, tu es réveillée cette fois-ci. J'avais peur de devoir encore une fois te réveiller en catastrophe comme tous les samedis. J'ai pas éteint mon réveil cette fois-ci, c'est pour ça. Fais vite quand même. Je n'ai pas osé lui dire que j'ai fait un cauchemar dans lequel Astrid et Thomas et sortaient ensemble. N'importe quoi. Elle aurait pas compris de toute façon. Mon cerveau a dû enregistrer le fait qu'ils étaient ensemble devant la grille hier. Je me suis habillée. Pas d'un sens. Ok. Donc, je prends celle-là, la deuxième. J'aime bien. Je suis arrivée à la récréation de 10h et j'ai cherché quelqu'un que je connaissais dans la foule, mais en vain, avant d'apercevoir Mélanie. Mais ça m'énerve pour elle, tu sais. C'est pour son bien que je dis ça. Je sais, mais tu n'as pas à décider à sa place. C'est trop facile de quand même dire, même si c'est des points. J'ai décidé de me faire discrète et d'écouter leur conversation, mais rien de ce que j'entendais n'avait trop de sens. Un jour, une dispute et ils se sépareront. Et elle se retrouvera seule et elle aura perdu son temps avec ce groupe stupide, je sais pas. Mais tu connais Béatrice, tu penses? Elle pense aux autres et pas à elle. Je sais. Comme je n'ai rien entendu d'intéressant ou inquiétant, j'ai décidé de partir et d'aller en cours. Je n'ai pas trop compris, mais du peu que j'ai pu entendre, on aurait pu croire que Mélanie avait une âme. T'es là, je te cherchais partout et mon téléphone n'a plus de batterie. Ah, pourquoi? Avec Clément, Josh et Béatrice, on s'est donné rendez-vous au café après les cours. Tu viens avec nous? Oui, ça me va. Evan ne peut pas venir? Non, il devait rentrer tôt ce midi ou quelque chose du genre. Ok. Pourquoi t'as pas essayé de me contacter avec le téléphone de quelqu'un d'autre? Je connais pas encore ton numéro par cœur, désolé. Pourtant, tu l'as refilé à absolument tout le monde. Juste Clément, Evan, et Béatrice aussi. Et Josh, bien sûr. Et Sarah, oui, et aussi. N'importe quoi, bon, c'est un peu vrai, mais c'est pour toi que je l'ai fait, pour que tu t'intègres plus vite. Et aussi pour le café, j'ai envie. Oh, vite, monsieur Kseski est très gentil, mais il déteste quand même les retards. Et dire que c'est le père de Thomas. J'arrive toujours pas à y croire. Après nos 2 heures de cours, on est allé au café tous ensemble. Rachel a également invité le garçon de ce groupe d'exposés. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés ici. C'est vrai. On s'est tous installés autour d'une table et on a passé commande, en discutant d'un peu de tout et de rien. Alors comme ça, en plus d'aimer foncer dans les gens, on aime bien les chocolats chauds. Je suis encore désolée. Pas de soucis. Quoi, vous vous connaissez? Quoi, tu es encore rentré dans quelqu'un? Tu sais, t'as peut-être besoin de lunettes. Al. Je crois que c'est Al du coup, et pas A1 ou je sais pas ce que j'avais. Je connais quelqu'un qui porte des lunettes parce qu'il a des problèmes de perception de distance. Mais non, c'est rien, je suis juste un peu peut-être en l'air. J'ai reçu un SMS. J'espère que ça t'aidera. Quoi, j'espère que ça t'aidera. De quoi? De qui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Rien du tout, t'inquiète. J'ai ensuite reçu un MMS.
C'est Mélanie à gauche. Du coup, non, on sait ce qui se passe quand même, mais on sait pas ce qui se passe avec Clément. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!